Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasmani, on est parti pour la partie 4 de Star Fox Adventures, du Let's Play. Et comme vous voyez, j'aime toujours commencer par le début pour pouvoir voir notre pourcentage. 39%, c'est très intéressant. Petit récapitulatif, hein, vous voyez, retourner au géant de pierre, cristal découverte, deuxième esprit libéré, voilà. C'est la définition de la vidéo précédente. Parce que avant, dans la partie 2, nous avons combattu, nous avons gagné contre un grand tyrannosaure pour sauver le clan Snowhorn, les mammouths. Ensuite, nous sommes allés... nous avons déjà récupéré là-bas la pierre mana, la pierre magique, la pierre destructrice. Enfin, tout ce que vous voulez. La pierre magique qui permet de... d'avoir qui répand une mana tellement puissante que ça fait comment dire, que tous les continents de la planète sont dispersés, voilà, à cause de cette puissante mana que le grand capitaine Scales a voilà, c'est à cause de lui qu'il a séparé les différentes parties de la planète. Enfin, vous avez compris, hein, de toute façon, on a vu ça dans la partie 3. Voilà, le petit résumé de Pépé, quand il a fait son recherche sur Wikipédia. Super. Et nous avons après... nous sommes allés au col de la Lune, voilà. Col montagne, col de la Lune, de la mort qui tue tout, là, je sais plus le nom. Ah, c'est tellement préparé. Au col de la montagne Lune. Et donc, nous sommes allés là-bas pour poser la pierre mana, la pierre magique. Et il faut trouver toutes les pierres magiques, je crois qu'il y en a 5. Ah non, il n'y en a que 4. Bah tiens, il n'y en a que 4. C'est pas beaucoup. Bon. Mauvaise durée de vie. Non, je rigole. Donc alors, oui, il faut trouver les 4 pierres mana pour pouvoir établir la planète, quoi. En gros, c'est ça. Si on les met là-bas, comme par magie, la planète, elle va se reconstituer. Et nous avons sauvé Dinosaur Planet. Voilà. Et nous avons aussi rencontré le maître des crasois. Enfin, le maître des crasois. Plutôt un crasois. Le crasois qui a été libéré par Crystal. Et nous avons rencontré Crystal. D'ailleurs, bien sûr, emprisonné. Comme par hasard. Donc là j'ai payé 60 carabées, hein, faut aller à la plage. Voilà, là on va avoir une petite phase de labyrinthe. Donc attention, avec mon sens de l'orientation incroyable, je suis déjà paumé. Donc alors, ouais, on va un peu au pif, hein, c'est comme d'habitude. Voilà, attention, et ben c'est déjà bon. Bon, c'était un labyrinthe vite fait, hein. C'est pas la même chose dans le labyrinthe du grand du géant de pierre. Mais sinon, oui, on doit trouver tous les crasois, les 6 crasois. Donc il nous en reste 4, puisqu'on en a sauvé un. Et bien sûr, Crystal a sauvé le premier, qui est venu nous voir pour nous informer que de cette nouvelle terrifiante qui est Crystal. Elle est enfermée dans un cristal. C'est con. Ou dans une émeraude, je sais pas. C'est complètement con, mais voilà. Petit jeu de mots. Un peu pourri, mais bon. C'est le jeu qui veut ça. Voilà. Faut essayer d'avoir déjà les boules de carburant. Très intéressant, les boules de carburant. D'accord, ça commence bien. Ah, il aime pas trop l'eau, Fox. J'ai déjà assez de champignons. Voilà, petite boule de carburant, ça fait toujours plaisir. Et oui, on a trouvé le deuxième crasois grâce au premier crasois qui nous a guidés. Voilà. Voilà toute l'histoire. Donc nous avons fait l'épreuve. Et c'était très simple. Mais ça va se corser par la suite.
Bien sûr, il y a l'épreuve méga stressante. Je vais pas vous spoiler, mais c'est une épreuve, c'est l'avant-dernière épreuve. C'est la pire. Ouais, tout simplement, c'est la pire. Enfin, quoi que la dernière. Enfin bref, elles ont toute une petite difficulté, j'ai envie de dire. Même si la première et la deuxième sont très simples. La troisième, je ne sais plus. Mais sinon, oui, les deux auxquelles je pense, là, elles sont assez ardues. Il y en a une, il faut avoir une bonne mémoire. Et une autre, il faut... Il faut pas avoir peur. Tout se joue sur nos nerfs. Attention. C'est méga stressant en plus. Et vous allez voir de quoi il en retourne dans la partie 5 peut-être. J'en sais rien. Peut-être la partie 6 parce que là j'avance pas. Je ne sais point où aller exactement. Comment on faisait ça déjà. Putain, je me souvenais, j'ai réussissais du premier coup, ça, à passer direct à la plage, mais là, je galère. Ça se trouve, c'est là. Oh, je le sens bien. Mais c'est parfait, mais... Je suis allé complètement au pif, et nous sommes déjà à Cap-Cor, voilà, c'est là où on doit se rendre. On va se faire déjà ça. Et on est parti pour combattre un ennemi de fou à la Gatling. Gatling, le coup de la Gatling, ça marche pas. Ah ouais. Le coup de la Gatling l'a quand même un peu morflé. Bon, petite cutscene avec la musique sympatoche. Car au fond là, bonne musique aussi. Hein. Ah, je me souviens très bien de cette musique. Là, c'est une musique qu'on retient comme le thème de Dinosaur Planet. Enfin, quand on arrive à la planète direct. Quand on est avec les Turntiles. C'est vraiment magnifique quand même, hein. L'eau est vraiment... Bah, franchement... Waouh quoi. On est en 2000, on est en 2002 quand même, et en fin 2002, et voilà. Tu vois ça. Ouais, c'est quand même... C'est assez bluffant. Bon, même s'il y a certaines textures... Enfin voilà. Qui ont vieilli, bien sûr. Il y a ce qui passe, c'est des textures de la N64, ça par exemple. Parce que vous voyez, très flou là, très flouté. Enfin voilà. C'est le petit défaut du jeu, mais bon, le jeu reste magnifique, hein, malgré tout. C'est que les développeurs n'ont pas pu avoir le temps de tout faire. Parce que en fait, ils avaient fait le jeu en entier. Ils avaient fait Dinosaur Planet totalement sur N64. Ils étaient prêts à sortir, mais au dernier moment, Miyamoto leur a informé de... C'est comme je vous l'ai dit dans la partie 1, de faire Star Fox à la place de Dinosaur Planet. Enfin, de changer le titre déjà et de mettre l'univers Star Fox. Enfin, plutôt les personnages. La licence. Et ça, c'est pour... Surtout, je pense que c'était pour faire de la pub pour la GameCube. pour sortir un très bon jeu sur GameCube. Ils savaient déjà, Nintendo, ils savaient que la N64 c'était mort. De toute façon, il y avait déjà des très bons jeux là-dessus qui étaient déjà en préparation. Enfin, Rareware était en train de préparer quand même The Bad Fur Day, c'est pas n'importe quoi comme jeu. Donc voilà. Et à ce qui paraît, s'il était sorti sur N64, ce Star Fox Adventures. Enfin, Dinosaur Planet, s'il était sur N64, serait plus beau que The Bad Fur Day. Conquer The Bad Fur Day. Ça, c'est pas rien.
Parce que Conquer de Bad Fur Day, c'est le plus beau jeu de N64. Mais bon, finalement, c'est mieux qu'il soit sorti sur GameCube. Hein. Comme ça, surtout, je l'ai connu. C'est ça, en gros. Et puis, ouais, nous avons le droit à des graphismes absolument magnifiques. Mais je crois qu'il faut avoir quelques scarabées, et j'en ai pas assez. Je tape sur ce rocher, et toute la colère de Zeus avec mon bâton de fou. 22 scarabées, est-ce qu'on en a assez? On va lui en donner. D'accord, Radin, va-t'en. Je pense que c'est passé. Donc, où sont les scarabées? Bon, déjà, on a un petit ennemi, hein, un nouvel ennemi. Tout pourri. Qui sert à rien. Voilà, je pense qu'on en a assez, là. Au bout de 20 casques. Attends, je vais... Attendez, je vais d'abord... Parce que moi je suis un fou, hein, j'utilise souvent les champignons avant. Je suis un économe. Purée. Parce qu'il y a un champignon juste à côté, donc je me dis. Comme ça, on en utilise pas un pour rien. Enfin, on peut en récupérer directement un après. C'est ça que je veux dire. Alors, et où est l'objet que j'avais? Voilà. Les scarabées. Passé, mais nous dit-rien au boss. Ok. En fait, c'est exactement la même skin et tout. C'est... Non, en fait, c'est le même. Hein. C'est... Il est allé de Snowhorn, enfin, là où il y avait les Snowhorn, à ici, hein, en une seconde. C'est un pro. Bon, allez, sérieusement. Voilà, le Krazoa, là-bas. Le symbole du Krazoa. When I heard the Sharp Claw were coming to Cape Claw, I hid my precious gold deep below the sands. My memory's not what it used to be, though, and now I've forgotten where I buried them. With the help of your little friend, you should be able to find them. Return all four gold bars, and I will help you on your quest. Okay. Donc on a déjà trouvé un lingot d'or. Ce qui est déjà sympa. Ok, lui il s'en fout complètement de la Gatling. Ça ne lui fait ni chaud ni froid. Le coup de la Gatling. Coup de la Gatling. Ah purée, il est résistant. Ah non, c'est bon. Bon, il faudrait que je fasse un peu moins le maboule avec la Gatling. Ça fait perdre pas mal de mana. Oula. Ah oui, il peut creuser là. Un autre lingot d'or. Mais c'est pas croyable. C'est facile à trouver les lingots d'or. Ces magnifiques ronces en 2D sont, oui, bel et bien évidemment des ronces, oui. Ok. Ok, c'était quoi cette gamelle? On dirait une gamelle en bullet time. Bullet time. C'était un peu... Je dirais que la gamelle était un peu lente. Hein. C'était un peu pourri. C'était un magnifique fail hein, de la part de notre petit dinosaure. Et je fais un coup tout seul. Ah voilà. C'est un peu caché, hein, mais bon, c'est ça va, tranquille. Il y en a combien de lingots d'or? Il y en a sans doute que 3. Quoique, peut-être plus. Mais cet endroit, par exemple, cet endroit, que la plage, là, Cap Claw, je crois que ça s'appelle, sur N64, j'ai vu quelle gueule il avait. Et c'est assez incroyable, la différence. Mais on peut quand même le reconnaître, hein, l'endroit. C'est incroyable. Mais bon, c'est sûr, quand tu vois la différence de N64 et de la GameCube, c'est... C'est quand même mirobolant. C'est quoi ce mot? Bon bah là je peux pas, je pense pas que je puisse grimper. Si, non, si, non. Donc je sais pas comment avoir cette boule de carburant. Il y a le machin qui me tire dessus.
Et si vous avez remarqué aussi dans le trailer de la N64, on pouvait voir qu'il y avait le cycle jour-nuit quand même sur N64, c'est pas rien. Attention! Et on pouvait quand même voir que la N64 avait une assez grande palette de couleurs. Puisque faut avoir quand même une assez grande palette de couleurs pour pouvoir changer les cycles jour-nuit, je pense. Plus les couleurs chaudes quand c'est jour et les couleurs froides quand c'est la nuit. Là je fais du grand n'importe quoi. La Gatling, là il me tape dessus. Coup du bâton et là il est mort. Il est dead. Donc on va lui parler à notre pote là. Tu devrais pouvoir les trouver. Le vénérable Armojo. Ok, alors je vais lui donner ses lingots. Ok, j'ai été touché par quoi, je sais pas. Mes précieux lingots. Ok, ah bah non, ils sont ok, ils sont déjà posés, j'ai cru que j'en avais posé qu'un. Ok, lui il me tire de loin, je sais pas comment il fait. Et il ne sort plus de son trou. Bon bah, je sais pas. On va chercher les autres lingots d'or. Je suis en train de galérer. On va aller vers le temple. Krazoa. The Temple Krazoa. Cet accent incroyable. Ou alors on va aller à droite plutôt. Je crois qu'il y avait un trou de mémoire à creuser. Quelque chose à creuser par là. Ah bah oui. Ah, mais pourquoi ils ont pas fait la mélodie de Zelda là? C'est pas possible. Ils ont loupé un truc là. Ah bah tiens. Quand on parle de la mélodie. Ah voilà. Petite mélodie. Ah bah tiens, ça aussi faut creuser. Il y a peut-être une one-up qui se cache là-dedans. On sait jamais. Peut-être. Un scarabée. Ah non, c'est une one-up. C'est cool. Comme ça, si je fail comme une merde, comme la précédente partie, eh bien j'en aurais grand besoin. Ah, il la faut. Aïe, je crois que c'est le dinosaure qui a pété ça. Enfin, je crois. Le mammifère. Notre pote, là, à droite. Et ben on commence à le savoir, mais on est obligé de le sélectionner à chaque fois. C'est un peu pénible. Ah ok, c'est de la magie vaudou. Donc maintenant on peut passer là-haut. Bon, faut que je fasse gaffe parce qu'il me reste plus. Enfin, j'ai perdu presque un cœur. On ne récupère pas des masses des cœurs. C'est pas comme dans un Zelda non plus. Donc je vais déjà me requinquer un peu. Ah, bah, même complètement. Ah, et là, c'est une porte, je crois. Je crois qu'elle va s'ouvrir plus tard. Je pense. Nous allons avoir la réponse avec cet interrupteur rouge. Mince. Ok, ça ouvre juste ça. Ce qui est bizarre, par contre, c'est qu'on entend toujours...
quelqu'un pleurer. On dirait la mère de Tricky, quand elle était en train de pleurer aussi. Vous vous souvenez, dans la partie 1 ou 2, je sais plus. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Oui, c'est une petite épreuve, ça aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette épreuve ? Du gaz ! Comme dans Indiana Jones, là. Et le tombeau de l'empereur. Vite ! Oh, du gaz ! Vite, vite ! C'est le sprint, purée. Oh là là, j'ai du mal comme dans Beyond Good and Evil, c'est incroyable. À diriger le perso. Ah, comme quoi, vous voyez, on n'a pas beaucoup de temps, hein. Ah purée, mais... enfin, en même temps, si je fais le con... on se concentre un peu. Bon, tranquille, hein. Bon, il me restait presque rien, mais oui, tranquille. Ah oui, c'est elle qui pleurait. C'est le pérodactyle femelle. Attends, d'abord, je vais nourrir Tricky, hein, parce qu'il a encore faim, bon sang, mais j'ai encore entendu son ventre gargouiller. C'est assez incroyable. C'est vraiment un estomac sur pattes, hein. Ok, on va reprendre des trucs. Wow! A cloud runner! Shoo shoo! Go away, cloud runner! Get away! Have you two met? He is an earthwalker. I am a cloud runner. Our tribes do not see eye to eye. His father has probably been saying bad things about me. Who locked you in there? General Scales. Who else? You see, I am the queen of the cloud runner tribe and also its gatekeeper. That guy needs to be taught a lesson. Where is he now? He used my powers to open a path to the cloud runner fortress. I must return there to help my tribe. I'm gonna need that spellstone. Looks like you've got yourself company, lady. Peppy, I'm returning to the R-Wing. Can you make sure it's ready for takeoff? Wait a minute! There's no way I'm going up to her fortress! Okay, you can sit this one out. We'll head back to Thorntail Hollow, and you can wait there for me to return. I'll meet you at the fortress! Good luck! On dirait que Fox il est content de se débarrasser de son pote Tricky. Je sais pas. Bon. Alors donc on va pas y aller directement dans le temple Krazoa. Bon tant mieux j'ai envie de dire, parce que c'est pas le moment, on va dire, très palpitant. Parce que le donjon qu'on va faire là, le nouveau temple, avec les pyrodactyles, c'est un temple très intéressant. Hein. Vous allez voir, c'est... comme le premier temple qu'on a fait dans la mine de glace, là. Sauf que là, c'est vraiment d'un style complètement différent. Et bah, vous allez voir, c'est vraiment joli. On va taper déjà ça, pour avoir un peu plus de mana. C'est toujours important, le mana. Et donc, on va, pour aller dans le temple, vous savez, direct, on va prendre l'Air Wing. Et oui, bien sûr. C'est obligé. Ah mais qu'est-ce que je connais par cœur ce jeu, c'est assez incroyable, je pourrais presque faire un speedrun. Enfin non, faut pas exagérer. Ça fait 5 heures de jeu que... non, je rigole. On tourne en rond et... enfin voilà. Ah, l'effet des feuilles. C'est beau. L'automne arrive. Alors, partons du labyrinthe. Je me souviens de ce donjon, il y avait au début une petite épreuve
assez spécial à faire. Vous allez voir. Je me souviens plus trop. J'aurais pas trop vous expliquer comme ça. Alors, faut passer par des anneaux. Et voilà, c'est tout ce que je me souviens. Oui, certes, je l'avais refait. Bon, on va dire pas très longtemps. Bon, ça doit peut-être faire 4 ans. Même plus, en fait. Enfin, ça fait un bon moment, mais... Mais oui, je l'avais refait. Je l'avais fait 2 fois. Et une fois, la première fois, c'était avec mon père. Enfin, c'était surtout mon père qui jouait. Et je me souviens, on avait galéré à ce temple. Il est pas si simple que ça, vous allez voir. On est souvent timé. Mais il est assez spécial et assez intéressant. Et il va y avoir une magnifique cutscene aussi. On va revoir... Enfin, je vous le dis pas qui. Revoir un individu suspect. Donc oui, je sais, la route est un peu longue, oui. On fait à peu près 5 km de marche. Fox court assez vite quand même. 5 km reste 5 km à pied, quoi. C'est pas mal. On va le faire creuser. Je crois que c'est une one-up, je sais pas, mais je crois. Mais oui, c'est une one-up, eh. Mais je m'en fiche. Donc on a utilisé ça pour rien, c'est super. Mais c'est bizarre, je l'avais déjà creusé pourtant ce trou. Je me souviens de l'avoir déjà creusé. Ah, je sais plus. Ça se trouve, non, c'est un autre trou pas loin, à Turntide toujours. Enfin... Oui, je me suis fait avoir comme un noob. Je cherche les scarabées, hein, c'est... C'est l'instinct de Fox. Je me lasserai jamais de cette cutscene. Mythique. Donc alors, le deuxième temple est Forteresse Cloud Runner. Runner parce qu'ils adorent courir. Le général Skulls et son armée de Sharp Claw ont attaqué la forteresse Cloud Runner. Ce serait une base idéale pour Skulls. De là, il pourrait régner sur toute la planète. La forteresse a été construite sur une terre riche en or et en diamants. Si Skulls devait trouver cette richesse, il deviendrait invincible. Trouve la pierre magique et sauve les Cloud Runner. Terminé. Pépi out. Ok, faut traverser 5 anneaux d'or. C'est très difficile. Bon, ces phases-là ne sont pas bien intéressantes, mais bon. On en ferait à chaque fois avant d'aller à un donjon. Hein. Okay. C'était sur. En fait, ces phases-là, c'était surtout juste pour. Juste pour être toujours dans la série Star Fox, quoi. Pour se dire qu'on est dans la licence Star Fox, hein, on n'est pas dans un espèce de Zelda, les mecs. C'est que Rareware, ils se sont sentis obligés de mettre ces phases-là. Vu qu'on est dans l'univers Star Fox, bien sûr. Même si à la base, on est plutôt dans l'univers Dinosaur Planet, mais c'est pas grave. Je m'en mets les pinceaux. J'arrive où les tirs, ils font un bruit bizarre. Enfin, comme d'hab, j'ai le son très bas. Pour pas que ça empiète sur mon micro. Mon magnifique micro. Oh, bravo Fox, tu as détruit le champ de force. Je fais que de dire ça depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave. Oui, à chaque fois qu'on finit un niveau, il dit ça. Ah voilà, le magnifique temple. Cloud Runner Fortress. I'll fly ahead and check if it's safe.
Meet me inside. Voilà. Ouh là là. Ah, là, c'est un petit problème, par contre. On voit bien que ça, par exemple, c'est une texture qui est plutôt honorable, qui est plutôt bien pour la GameCube, on va dire, pour le début de la GameCube. Et là, par contre, on voit une texture extrêmement floutée. Et je crois que ça vient de la N64. On va analyser toutes les textures. C'est du grand n'importe quoi. Ah mais c'est ça le problème, c'est que RareWare, ils avaient pas trop le temps pour que tout soit en ordre pour la version GameCube quoi. Donc des fois on peut voir des textures qui sont un peu baveuses. Mais bon, c'est des fois. Mais bon, c'est pas trop gênant tellement que ce jeu est magique, qu'il est beau, qu'il reste beau au niveau de l'histoire, beau au niveau de... Enfin, comment dire, c'est pas un simple jeu, c'est... Il procure de la magie, une sensation... Une sensation d'aventure épique. Donc voilà, comme vous voyez, on est sur la flotte. Et c'est ça la particularité de ce... temple. Le début plutôt. Et aussi qu'il y ait des espèces de tortues qui nous attaquent. Voilà. Merci. J'étais sur le point de monter, merci beaucoup. Et donc là on va avoir une espèce d'épreuve ici. Une épreuve à passer. De plateforme, attention. De plateforme à la Zelda. Sorry. Éternuement. Donc alors... Ah, c'est ici qu'il y a l'interrupteur. Et voilà, là c'est un sprint. C'est un sprint, il faut faire un gros sprint. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Avec la musique épique. La 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 la. Je chante si bien. Purée. Purée, faut pas fail à la fin. Oh là là. Oh mon dieu. Il restait même pas une seconde. C'est incroyable. Ah, vous voyez, je suis né pour ça, moi. Je suis speedrunner. C'est pour ça que je fais des time trials. Que je fais des... Enfin, même s'il y en a que deux qui sont en ligne, des time trials, mais c'est pas grave. J'en ai 24 de prêt, c'est quand même incroyable. Et qu'en même temps, je cours si vite dans Star Fox, voilà. Voilà, ça. Là, j'ai pas fait de fail. C'est incroyable. Ouais, mais pour l'instant, cette partie, je me débrouille plutôt bien. Voilà. C'est-à-dire que c'est mieux que la partie 3. Heureusement. Bon, même si j'ai quand même bien avancé dans la partie 3, mais j'ai fait pas mal de fails. Et je pense que la partie 3 pour vous a été la partie la moins palpitante. Je pense, hein. Faire gaffe à ces trucs-là. J'ai un réflexe de gros malade. Oh, là aussi. La musique est vraiment pas mal, encore une fois. Vide d'ambiance. On s'y croirait vraiment. Dans cet univers. Si unique, si beau. Mais regardez-moi ça. C'est... Voilà quoi, juste. Admirer. Bon, même si. Voilà, même si ça. Voilà. Même si les textures, des fois. Bah, de loin, ça le fait quoi. De loin, ça le fait. Sinon, ouais, c'est sûr que... Mais il y a des jeux de GameCube qui font mieux, bien sûr. Mais bon, c'est... Ce qui m'a bluffé, c'est qu'il soit sorti aussitôt, quoi. On va monter.
T'sais, Mario Sunshine, il était même pas encore sorti. Enfin, quoique, si, peut-être, attends. Je dis peut-être une connerie, mais... Ouais, peut-être que Mario Sunshine est sorti. I know it was the fox that set you free. Now where is he? I do not know what you're talking about. You will tell me. Where can I find the fox? He will find you. And he will destroy you. Stop! It's over, Scales. Leave the queen alone. Enough! Take her away. The famous Fox McCloud. How nice of you to pay us a visit. Why don't I show you some of our hospitality? My staff. Ok, et donc voilà, la spécialité de ce donjon, c'est que carrément on se retrouve sans armes. Ah bah oui, bien sûr. Bon, j'ai envie de dire, c'est un peu repris de Wind Waker. Quoique, Wind Waker est fait en 2003, donc non, c'est Wind Waker qui a repris ce principe. Non, voilà. Et je pense que ce signal nous indique qu'il y a des ennemis, pas loin. Je pense. Allez, d'accord, je sais ce qu'il faut faire. Mais quel esprit incroyable de déduction incroyable, mais tellement incroyable que j'arrive plus à pousser la pierre. Et qu'en fait, c'est pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il veut pas? Ok. C'est sérieux? Bon, moi, il veut pas. Finalement, je sais pas comment y aller. Faisons gaffe aux ennemis, hein. Bien sûr, il y en a un qui dort, là. Ok, lui, il rugit juste. Grab your staff, but don't wake the shark. Merci de ton conseil, l'ami. Mais en fait, je savais déjà qu'il était endormi. Mais je crois que si on marche sur l'eau... Ah, je me disais... Who's that? Gods! Fichtre! Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est direct, hein. Ça y va direct. My staff. Ah, ça recommence, le mon bâton. Ah purée, mais j'y crois pas, il est... Il est comment, là? Comment on dit ceux qui oublient, là? Enfin, il est... Il est... Schizophrène ou Alzheimer, je sais plus. Oh putain. Mais bon, je sais pas comment il a fait là. Ah, pourquoi il y a des flaques d'eau? C'est complètement con. Le mec qui s'en prend aux flaques d'eau. Mon bâton! Purée, j'ai déjà oublié! C'est énorme. Il oublie au bout de 2 secondes, en fait. Quand il se fait frapper, ça fait le même effet que quand il a trop bu. Quand il est perché. Non, sérieusement, voilà. Attention aux flaques d'eau, hein, surtout. Il peut y en avoir partout.
Oh là là. Ok, ouais, mais ça sert à quoi? Ah, il y a une bombe. Placée. C'est magique! C'est magique système! Non, je sais ce qu'il faut faire en fait, il faut aller là-dessus et balancer la bombe. Et je vois plus rien. Je peux pas la balancer, c'est énorme! Putain, pourquoi je pouvais pas la balancer? C'était énorme. Ou alors je peux la placer ici. Ah bah oui, bon d'accord. Ok. On va attendre qu'elle explose. Parce qu'on voit une fissure. Hey Fox, je peux t'envoyer un déguisement pour duper les gardes de Sharpclaw. Mais les murs de la prison provoquent trop d'interférences pour que la téléportation puisse réussir. Peut-être qu'il faut utiliser un moyen explosif. Utilise le déguisement pour récupérer ton bâton magique et t'échapper du donjon. Ah bon, il a pas trop cette voix là en vrai, mais c'est pas... Donc, on va tout simplement poser la bombe, par là, avant qu'elle explose, vite, c'est un sprint. Ok, je sais pas trop à quoi ça servait en fait. On va remonter, ah bah voilà, bien sûr. En fait, c'est pour que Sleepy il trouve une idée, quoi. Ok, on explose un truc pour qu'il trouve une idée. C'est logique. You take over. Keep eye on prisoner. Me go for break. Oula, il a fumé un joint ou quoi avant? Bon, allez, on prend ça. Le magnifique bâton. Il est un peu petit, le bâton. Hein. Mais là, c'est plus la même chose. Donc alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, tout simplement. Ainsi. C'est gros comme un immeuble. C'est quoi cette expression encore que j'invente? Bon, on va faire gaffe au... Ah purée, voilà ça. Bon, on s'est fait toucher, c'est pas grave. Bon, moi j'ai vu que qu'on ne reculait pas face à cette attaque. On perd juste un peu de vie. Voilà, alors là c'est infiltration totale, hein. Agent secret et tout. Attends, est-ce que si je me déguise? La grande question, est-ce que si... Là, je peux pas me déguiser. Ah si. Je me déguise, est-ce que ça m'attaque? C'est la grande question. Logiquement, ça m'attaque pas. Ah mais oui, mais parfait. Mais c'est parfait, on va jouer que... Pas besoin de jouer comme un demi-god. Pas besoin de jouer comme un dieu. Donc juste comme ça, en mode... En mode dinosaure, tranquille. Putain, il a la classe, hein. Bon, il est un peu, comment dire, il peut se faire gruger facilement avec le sac, hein, le sac à dos, mais c'est pas grave. Alors on va faire B. Voilà, donc c'est une petite mission infiltration quand même. C'est vraiment sympa, je trouve, ce donjon. Il change vraiment. Certes, il n'y a pas beaucoup de donjons dans ce Star Fox Adventures, mais ils sont tous vraiment uniques. C'est vraiment... T'as vraiment pas à faire la même chose, quoi. T'as vraiment l'impression de changer de jeu. C'est assez incroyable. Alors que par exemple, un Zelda à côté, certes, il y a plus de donjons, mais il y a moins d'idées au niveau des donjons. T'as l'impression de, bah oui, tu récupères juste un nouvel objet dans le donjon et t'as des idées sur cet objet, spécifiquement, mais c'est tout, quoi. Après, le donjon, il ressemble pas mal à l'ancien. J'ai envie de dire.
Ouais, certes, t'as des énigmes et tout, mais ça ressemble pas mal. Là, ça change vraiment. Je sais pas comment vous expliquer, mais ça change vraiment. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ça utilise un peu de mana quand même, hein, de se transformer en monstre, hein, bien sûr, en dinosaure. Oula. Ah, petite énigme. Je parie qu'on est timé. Comme par hasard, on est souvent timé dans ce donjon. C'est le donjon timer. Ah, ou alors... Là, je crois savoir, parce qu'on a vu aussi une autre barrière là-bas, à droite, tout à droite. Voilà, ici. On va faire également celui-là. Ouais, mais est-ce que, au bout d'un moment, ils se remettent... Faudrait savoir ça aussi. Que si on sait pas quand ils vont se remettre, ou si ils vont se réactiver, ça se trouve c'est bon, hein. Là on est sauvé. Enfin, moi je pense que. Ah oui, la musique épique! La réussite! Ceci est un cristal de lumière, posez-le à l'intérieur de la salle du gouverneur, du générateur, d'accord, afin de remettre en marche l'énergie autour de la forteresse Clown Runner. Voilà. Là, je dois vraiment utiliser à fond mon accent anglais dans cette partie. Hein. Clown Runner, le temple de la forteresse Rainmaster, non, je sais plus comment il s'appelle. Bah si c'est Cloud Runner en fait. D'accord. Ah non, les Sharp Claws, voilà. Les Sharp Claws ont caché des pierres d'énergie dans la cour. On va regarder sur cette partie élevée au centre. Peut-être que quelque chose t'indiquera où se trouvent les pierres magiques. Pierres d'énergie. Enfin, c'est pareil. Ah ok, ils se sont refermés. Sauf lui, bien sûr, puisque bah, on peut plus le refaire, puisque on a déjà découvert le cadeau. On a déjà découvert la pierre énergie, la pierre énergétique. Attends, il y a une porte là-bas. Ça m'intéresse. Oula, c'est quoi ça? Ah d'accord, c'est un truc qu'on doit voir plus tard. Finalement, c'est la moitié de la découverte. Hein. Je redécouvre le jeu. Enfin, ce donjon, je m'en souviens presque plus. C'est un truc de fou. C'est bizarre, il y a des choses dont on s'en souvient le plus. Par exemple, le dernier donjon, je m'en souviens assez bien. Franchement, de la gueule qu'il y avait. Lui, je me souviens grosso modo. Mais bon, grosso modo quoi. Là on peut rien faire. Je tourne en rond. Purée. Ok, on a le premier diamant, il est là-dedans. Là. C'est... Purée, c'est un cristal. Mais lol. C'est un cristal, purée, mais ils aiment bien les cristals. Les cristaux. Cristal qui est enfermé dans un cristal, on doit récupérer des cristals d'énergie. Ah, c'est bon, les cristals au bout d'un moment. Est-ce qu'on peut tuer ces trucs là? Et en fait, l'ennemi il me voit du dessous, c'est très logique. Par contre, il me voit pas quand je suis là. C'est encore plus logique. C'est... Ok, d'accord. Ah non, on peut juste les désactiver, oui, c'est momentanément. Ça désactive combien de temps? D'accord, 2 secondes, quoi. Ah, je pense qu'il faut monter sur ces caisses. Hein. Quoique... Ah si, peut-être, ouais. Il bon, faut réactiver
la porte. Voilà. C'est bizarre que le garde il s'en fout complètement de la porte qui s'ouvre. Il se balade dans la prairie. Voilà. Tout à fait ça, hein, comment il marche. Il marche comme un ganja. Il marche comme un Jamaïcain. Vous avez vu quand même comment il voit fou, hein. C'est assez incroyable. Bon, la Gatling, c'est vite fait. Vite avant que ça se referme, oui c'est bon. Bon, on a quand même largement le temps. Hein. La pierre en mana rouge. Ceci est un cristal de lumière. Bon bah il n'en reste plus qu'un. Qui a l'air plus compliqué. Enfin quoique. Je vois encore une porte en face, donc je prendrai cette porte en face. Juste après, purée, je me fais déjà toucher. Oui, la particularité de ce donjon surtout, c'est qu'on a envie de se presser, alors que si on se presse, voilà, on perd de la vie quand même, à cause de ces machins qui nous tirent dessus. Faut faire un peu attention. Même si là, il y a deux caisses en bas, mais bon, je veux pas tout de suite les prendre. Faut savoir quand même hein, qu'on peut grimper sur les grosses caisses. Hein. Au début, on ne sait pas forcément. Mais encore une fois, c'est des petits souvenirs, quoi. Oh, purée, non! D'accord. Et j'ai entendu la porte se refermer. Donc, ouais, ça m'étonnerait que ce soit par là, en fait. Agent secret. C'est ces flammes que j'avais éteintes pour avoir le premier truc. Ouais. En gros, c'est inutile de revenir. Attention à ce truc-là, il va se retourner, je le sens. Donc, cette porte-là nous mène ici, ça sert à rien. Tant qu'on n'a pas un espèce d'éclair. Là, on se protège un petit coup. Attendez, il y a une échelle là-bas. Ah, et un interrupteur. Loul. Un interrupteur. Faut tirer par là. Ça nous fait complètement zapper. Pas loupé. Bon, allez, on va péter ça parce que bon. Ah oui, ok, c'est pas un interrupteur pour tirer de loin, purée. Pas de bol. Mais bon, au moins je sais où faut aller. Voilà. Oui, faut quand même avoir un peu de subtilité. Faut un peu réfléchir dans sa petite tête et... Et je suis paumé. Faut aller de l'autre côté. Oui, voilà, pour ouvrir l'échelle. Quoique, je sais pas si j'aurai assez le temps. Je crois qu'il fallait déjà le faire avant. Pour avoir assez le temps. J'espère que ça va durer assez longtemps. Allez, ne te referme pas, porte de merde. Purée, on s'en fout. D'accord, en fait, je me suis sacrifié pour rien. C'est super. Faut quand même aller vite, hein. On va éteindre ces flammes, voilà. Et on va repartir discretos. En faisant une roulade, c'est cool. D'accord. Je l'ai même pas vu passer. Comme quoi, on croit que c'est lent. Enfin, là, j'ai envie de lui dire bouge ton cul, mais voilà quoi. Des fois, on peut se faire avoir quand même. Et la porte magique s'ouvre. Alléluia.
Purée, mais... je me fais toucher à chaque fois. C'est incroyable. Là, on va monter tranquillouze, comme le fait Fox, hein, comme le fait si bien Fox. Monter tranquillouze. Monte pas très vite. Les échelles. Et voilà, le dernier cristal. Trois cristals, mais c'est trop pour Fox. Ah, déjà qu'il était tombé fou amoureux de cristal, là il a trois cristals en sa possession quand même. Voilà, on arrête ces blagues. Oui, maintenant que j'ai trois cristals, ça sert à quoi? C'est une très bonne question. Peut-être les poser ici, je sais pas. Fais gaffe. Bon, je crois que là, ouais, il y a de la vie. Toujours intéressant. Ah bah, il y a pas mal de vie. Ah bah, il y a deux œufs qui rapportent bah, deux cœurs. Ah, c'est aucun des trois. De toute façon, ça met une croix directe, donc oui, c'est normal. Passer partout. Hop. Oh là là. Oh mon dieu. Que c'est vicieux. Oh mon dieu. Je me souvenais plus de ça. Oh là. Et puis c'est ça en plus. Hein. N'importe quoi. Que c'est vicieux. Alors, faut casser à chaque fois les caisses. Hein. Parce que là... Si on se retrouve bloqué comme une merde comme ça. Ok. On va mieux remonter. C'était intéressant là-haut, je sais pas, mais. Ça m'a l'air assez louche avec le pyrodactyle là, qu'il faut essayer de buter avec les boules de feu. Normal. Je vais faire ça. Oya! Oya! J'y arrive pas! Bon, c'est pas. Non, sérieusement, y'a rien? Bon, je crois que c'était juste une salle bonus. Hein. Donc, là, à partir de maintenant, j'essaye avec l'interrupteur rouge. On va voir ce que ça change. Je sais pas. Normalement, c'est mauvais, mais bon. Bah oui, c'est mauvais. C'est... Tout à fait. Alors faut revenir là où on faisait du James Bond. Mais c'était où? Purée, je voulais pas faire ça. Je voulais faire... Peut-être faire le plongeon à la Tomb Raider. Je sais pas. Saut de l'ange. Mince. Bon. Saut de l'ange un peu foiré. Ah bah oui, complètement. C'était un magnifique saut de l'ange. Ah, mais on peut recommencer l'épreuve, c'est énorme. Je suis tellement un psychopathe que je vais le refaire. Ah, quoique, j'ai vu quelque chose. Ah ah! Non, c'est juste de la mana. C'est juste de la mana. Faut que c'est une solution, ça. Ah. Ah, il esquive le four. La gatling n'est pas assez rapide. Ah, purée. Il est rapide. J'ai ça à faire moi. Essayer de tuer un pyrodactyle. Il me semble. Un bébé en plus je crois. Il me semble qu'il est assez petit. Chérie. Ah mais c'est là-bas que je vais aller dans le trou moi pour voir ce qu'il y a. Il n'y a rien quoi. Ah c'est décourageant. On est bloqué. Attends, où on met ces putains de pierres? Sur le gars, tout. Cacher les pierres d'énergie dans la cour. On va regarder sur cette partie élevée au centre. Peut-être que quelque chose indiquera où se trouvent les pierres d'énergie. Cette partie élevée au centre. Et bah, c'est là où j'étais déjà allé. Bon, lui nous dit que c'est là, bon. Ouais. Purée. C'est assez énorme. Si c'est un interrupteur rouge en haut, alors là. Oh mon dieu. Mon dieu. Bon, on va descendre comme ça parce qu'on est fou. Bah, attendez, il y a quoi en dessous là? Ça m'en rappelle rien ici. Et si c'est quoi, ça me rappelle rien non plus, mais je tombe comme une merde.
On va juste remonter à l'échelle avant de se faire toucher. Ah, il nous a quand même suivi, hein. Comme quoi, les gars, n'est pas à la ramasse. Attention. Ah, mais c'était juste ça, quoi. Les scarabées. Super, j'ai gagné deux scarabées. Ouais. Ouais. Je crois que je vais revenir carrément. Je pense, hein. Parce que là, avec ces cristals, il faut placer je sais pas où. Enfin, je sais pas. On va pas me dire. C'est dommage, je la trouvais bien cette partie et là, tout s'effondre. C'est énorme. Cette pierre me semble toujours bizarre, mais... Faut cramer cette partie là. Allez, les jetons, ça sert un peu à rien. Lâchez le jeton. Attention, je peux pas. Utilisez corps. C'était pour le premier donjon, ça, si vous vous souvenez bien. Ouais. Ouais. Et encore moins. Bon. Le gros blanc. C'est quand même assez incroyable que je ne m'y retrouve pas. Où sont ces pierres, sérieusement? Bon, bah, je suis obligé de refaire une recherche, non, mais c'est pas possible. Je suis obligé de faire une recherche sur internet. Super. Enfin, alors qu'à l'époque, j'ai trouvé sans internet, tu vois. Comment j'ai fait? Comment j'ai fait? J'avais un esprit de déduction incroyable. Je me fais toucher non-stop, là. Bon. Ces pierres, maintenant, où on les dépose. Je réfléchis, hein. Je sais pas, trouver la logique. Alors sur le côté, c'est un truc. Alors là, mais... Là, je suis complètement bloqué. Là, internet est mon ami. En même temps, j'ai pas envie, quoi. Gros blanc. Oh, purée, mais... Est-ce qu'on peut sauter de là? Il y a un ami qui m'a vu. Enfin, je me fais les ennemis, hein, on sait jamais. Voilà, on se les fait. On est fun. Ah, purée! Et non, faut foutre les nerfs, quoi. Ouais, je sais pas. Bah, là, franchement, non. C'est un interrupteur là-haut. Faut regarder partout. Hein. Faut être persévérant. Mais attends, regardons la carte. Plus de recherche, machin. Est-ce qu'on a fait toute la carte? Ah. Non, mais. On a fait tout ce qu'on pouvait, quoi. Ça se trouve, franchement, fallait revenir. Ouais, si c'est ça. Fallait revenir avec les missions. Non, non, je pense pas. Je me prends ce pour lui. Non, on peut vraiment aller là-bas, je pense. Ouais, si on fait le bon saut, si on calcule bien, on peut réussir. Ouais, je vais recommencer. Ouais, ça va être la dernière fois que je vais recommencer. Ouais, je suis un peu bas. Non, non, bon, non, c'est pas ça. Mais ce qui est bien, c'est que les caisses elles repop. Hein. Donc quand tu perds de la vie, quand même, t'en reprends. Mais ouais, ça ne donne pas trop ça. Oh là là, c'est chiant. Bon bah, je suis obligé, hein, je vais couper la vidéo et on se retrouve de suite. Vous savez quoi? J'ai trouvé la solution tout seul en revenant de la prison. Mais j'ai pas pensé à ça. Voilà, viens, il n'y a pas de temps à perdre, enfuyons-nous d'ici. Voilà, et c'est lui qui nous a donné la clé pour le générateur. Voilà, l'éclair qu'on a vu avant. Voilà, c'est assez énorme, oui, je sais, applaudissez-moi, oui, bien sûr, je suis meilleur. Bloqué pendant 30 minutes, énorme. Je cherchais, mais vraiment partout, pendant 30 minutes, c'était assez incroyable. Bon, je pense que je couperais ça, ouais, dans le montage. Ce serait pas palpitant pour vous, attendre 30 minutes. Surtout que je disais pas souvent, je disais pas grand-chose. Hein. Et juste une fois, j'ai trouvé un passage, mais bon, bof. Un passage qui servait à rien du tout. Pas peut-être admirer le paysage, hein, voilà. Mais voilà, c'est quand même assez incroyable d'être bloqué. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas si ça vous fait ça, vous, si vous êtes youtubeur. C'est... Quand vous faites par exemple un let's play, voilà, comme je fais là. C'est quand même assez incroyable de se retrouver bloqué à pourtant une énigme extrêmement simple. Et que quand il joue seul, tu trouves direct, quoi. Tu sais direct que oui, t'as vu des interrupteurs avant. Ou t'as une meilleure mémoire, quoi. Quand tu joues seul, t'as une meilleure mémoire, tu réfléchis mieux. Franchement, on perd vraiment 50% de nos capacités quand on joue en parlant. C'est assez incroyable, parce qu'on se concentre beaucoup moins sur le jeu.
Et voilà. Et ça me saoule. 30 minutes de perdu. Bon, au moins j'ai pas regardé sur internet. C'est bien. On peut dire que c'est bien. Oh mon dieu. Pas comme Wind Waker. Oui, oui. J'ai bien un peu regardé Wind Waker, oui bien sûr. Ok, alors on va déposer tous ces trucs là. Par contre, il n'y a pas d'air. Là, il n'y a pas d'air. Il faut que je reparte vite. Vite. C'est bon. Bon, il faut qu'il reprenne son souffle, hein, Fox, McCloud. Quand même. Il n'en peut plus, là. Tu le vois, il est complètement épuisé. Et on pose ceci. La pierre magique. Bon, vous avez loupé une cutscene avec lui, voilà. Quand il nous donnait l'éclair. Mais c'est tout. C'est juste que je suis revenu là où il était emprisonné avant. Et voilà, donc là maintenant on peut passer à l'endroit où je voulais toujours passer. Je sais pas si quand je vais couper, je pense pas que vous allez voir ce passage. Mais avant je voulais toujours essayer de sauter. Ah si, j'avais essayé même avant d'avoir trouvé les trois cristaux. Oui, j'essayais de sauter. Enfin, vous allez voir. Bon, on va esquiver cet ennemi, il sert à rien. Voilà, j'essayais d'aller là, voilà, en sautant. Mais on pouvait pas, bien sûr, il fallait activer ça. Là, j'ai tué les ennemis. Pourquoi ça se referme? Je sais pas pourquoi, mais... Ah oui, d'accord. Faut juste se transformer en... En méchant pas beau. Et c'est bon. Il se gratte le dos. Allez, on va se le faire. Il n'est pas surpris, hein. Quelle IA incroyable, quand même. Au niveau de la réaction, j'ai cru que c'était des ganja qui ont pris un peu de drogue, mais non. C'est compliqué, hein. Donc, comment je peux monter là-dessus, moi? Je peux pas... Bon. Je peux pas parler au petit pérodactyle. C'est plus tard. Allez, on aura une épreuve où on sera timé, il faut trouver tous les pérodactyles, je me souviens de ça. Tu vois, c'était... Fallait se souvenir, voilà, fallait avoir une... Ah bah, ça servait à ça alors, l'endroit où qui était inutile. Finalement, c'est pas si inutile que ça, vous voyez. C'était pour voir le pérodactyle. Donc voilà, faut avoir une petite mémoire. Mais moi, vu que j'ai une mémoire encore plus petite que petite... C'est incroyable. Ah oui, d'accord, faut tuer tous les ennemis. Ok. Bon, moi, ça, c'est simple. On va se le faire vite fait. Mais voilà, quoi, c'est quand même assez incroyable de... Franchement, d'être bloqué dans ce genre de circonstances, quand même. Genre, t'as un interrupteur juste à droite de la porte. Quand tu joues seul, tu remarques direct l'interrupteur. Quand tu joues... En parlant, en faisant une vidéo, tu remarques l'interrupteur, mais 5 minutes après, quoi. Même 10 minutes, des fois, ça peut paraître même une heure. Enfin, une heure, c'est un peu exagéré, mais c'est quand même assez incroyable, quoi. Je sais pas, quoi, on n'est pas concentré sur le jeu, voilà. C'est... Des fois, même des trucs très simples, voilà, ça peut paraître très difficile. C'était cette porte où fallait aller, ouais. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas. Et on est rebloqué. Bon, allez, on va couper la vidéo. ça va être énorme. Oh, ouais. Ah, mais ce qui est honteux, c'est que, voilà, quoi, j'étais bloqué, mais... Dans Star Fox Adventures, l'un de mes jeux préférés, purée, mais... Non, mais franchement, c'est énorme. Cette porte, ça sert à rien de le... Elle est fermée de chez fermée, hein, et ça sert à rien, on l'avait déjà ouverte, c'était juste pour récupérer le cristal. Nous voyons une échelle, donc qu'est-ce qu'on fait? Bon, on y va. Allez, d'accord. Il préfère plutôt sauter, hein.
Mais attention, faut pas tomber. Ça fait stresser. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Mais lui, pourquoi il va en bas? Non, il va pas en bas. Non, il va juste à droite. Non, mais ça, c'est pour plus tard. La porte ensoleillée. Hein, je pense. Bon. Dans cette partie 4, bah oui, je suis resté très longtemps bloqué. Donc c'était encore pire que la partie 3. Faut le dire. Heureusement, je vais couper hein, quand même. Purée. 30 minutes de de rien du tout. C'est quand même assez choquant. Oui, j'ai un petit problème quand même des fois. Je me souviens pas de ce que j'ai fait précédemment il y a 5 minutes. Donc après, je perds 30 minutes à trouver l'endroit exact où j'étais prisonnier avant. Je suis un peu comme Fox McCloud quand il se fait défoncer et qu'il retrouve plus son bâton, voilà. Alors que 2 secondes avant, il s'est refait. Enfin, alors que 2 secondes après, il se refait défoncer et il dit « Oh, mon bâton !» Il oublie assez rapidement, le petit Fox. Là, c'est un peu la même chose pour moi. Ça, c'est quand même magique. Hein. Oh, purée. Voilà pourquoi faut pas faire beaucoup de jeux d'énigmes, d'aventures. Ce genre de circonstances. Là, je vais sauter. Oh purée, mais non! Ah, les sauts automatiques. C'est tellement bien. Ouais. Pourquoi je peux pas prendre la bombe? Ouais, elle est peut-être enfermée, je sais pas. C'est... Faut toucher un interrupteur. Les fameux interrupteurs. Que j'ai pas trouvé avant. C'est super. Non. C'est quand même assez incroyable. J'en reviens toujours pas, mais bon. C'est pas grave. Alors, Moi, je suis un peu fatigué. Hein. Il est 1h du mat. Voilà, la petite excuse. Je galère à chaque fois. Il est 2h du matin. Ah, ça passe trop vite. Ah bah oui, hein, 30 minutes de bloqué, oui. Oui, en effet. C'est... Ouais, purée, je vais tirer sur ce truc parce qu'il m'énerve. Enfin, quoique, quand on se fait toucher, ça nous fait juste perdre de la vie et on... Comment dire, voilà, on n'a pas un mouvement de recul. Donc ça va, c'est pas gênant. Ok, mais qu'est-ce que je peux faire, là? Oui, là, on était déjà allé, quoi. Et à quoi ça sert? Oula, ce saut! Ok, je sais pas. Ah, le truc sismique! Ah non, c'est pas ça! Qu'est-ce que c'est alors? Ça peut-être? Quand je l'ai, je sais pas. On essaie n'importe quoi. J'ai eu de la chance. Ouais, bah non. Je sais pas encore. Non, mais la bombe qu'on a vue tout à l'heure, c'est... C'est une bombe qu'on peut pas bouger, quoi. Elle est bloquée ici. Est-ce qu'on peut la faire exploser? Ouais. Et c'est tout. Donc, quelle est l'utilité de cette bombe? Ah,
sans doute pas vu un truc, hein. Peut-être ça. Faire vers le bas, peut-être que ça a changé là, hein, quelque chose là-bas. On sait jamais, hein. Oh non, ça va recommencer. Mon dieu, ça va recommencer, ça va être un truc simple en plus encore, je parie. C'est pas possible. Là c'est la bombe. Il faut placer ici. Mais je sais pas comment la porter déjà. Déjà ouais. Ouais bon, il y a un ennemi. Bon là on était déjà allé, hein. Ça sert à rien de revenir. Quoique. C'est comme avant, quoique. Il faut revenir. Oh là là. Mon dieu. Avant je les avais tout de suite libérés, hein, les prisonniers là. Puis quand j'avais récupéré le bâton, c'était ça en fait. Alors que là j'y ai même pas pensé quoi. On va rouvrir ça. C'est pour ça que des fois, quand on fait des vidéos tests, quand on veut que ça aille assez vite, qu'on veut montrer pas mal de choses en assez peu de temps, hein, une heure maximum. Des fois, ça peut partir en live 1h40. Mais voilà. Qu'est-ce que j'allais dire déjà? J'oublie déjà. J'avais peur d'active, oui, et c'est tout. Et voilà, c'est pour ça que des fois, bah, j'aime bien d'abord faire un montage et puis après parler du jeu. Ou alors, non, c'est plutôt parler du jeu dans le vide et puis après faire le montage de la vidéo. Comme ça, je fais la voix off, quoi, en gros. C'est plus simple. Il vous montre plus de choses. Mais bon, d'un côté, je trouve ça aussi bien, les vidéos test un peu en freestyle, un peu en direct live. Un peu comme un let's play, quoi. Enfin, pas non plus un let's play. Mais bon. Mais ouais, les rochers, on peut les détruire avec les rochers. Les planches en bois, on pouvait les détruire, oui, avec la bombe. Comment on porte la bombe? Oh, attends, je sais. Oh purée, mais non. Mais non, c'est énorme. Je crois savoir. J'ai une idée faramineuse. Oh. Oh là là, mais j'en ai marre. C'est pas possible. Oh non, mon dieu. C'est ça en plus. Hein. Il faut le savoir quand même. Hein. Oh purée, faut avoir une de ces idées là. Je sais pas ce qu'ils ont fumé chez RER, c'est assez incroyable. Purée. On peut porter la bombe que si on est un méchant pavot. Purée. C'est incroyable. Oh non. Oh, il a failli m'avoir. Non, il m'a eu normalement. Je suis en méchant, c'est vrai, j'ai oublié. Ok, tombé. Bon, allez, je vais me tuer pour sauver le pérodactyle ultime. La reine. Enfin, je crois que c'est la reine qui est en haut. D'accord, là, faut poser une bombe, non? Ah non. Et purée, je confonds avec les bombes. Ça, c'est incroyable. Là, on serait encore bloqué si je disais, ouais, faut emmener la bombe. Ce serait énorme. Ah bah là, ça serait complètement énorme. Ah, faut vraiment que je me concentre dans la prochaine partie. Mais je dis ça à chaque fois, mais dans les Rayman, par exemple, dans les let's play de Rayman, je galère aussi. Fox, the floor of this cage seems unstable. See if you can find a way of breaking it. Fox, the floor of this cage seems unstable. See if you can find a way of breaking it. Ouais. Cette cage est insupportable, oui. La cage fait 10 mètres carrés. J'ai envie de dire, ça va quand même. T'es la reine, hein, t'as une cage au moins d'honneur.
Oh purée. L'autre qui pop d'un coup. Ça fait plaisir. Mais ouais, hein, faut que je tue encore le dernier ennemi peut-être. Pour pouvoir débloquer quelque chose. On va donner un magnifique coup de tête. À la Zinedine Zidane. Ah, j'ai vu un interrupteur. Les magnifiques interrupteurs. C'est un très bon donjon. On est bloqué, mais c'est un très bon donjon. Ah, maintenant je me souviens pourquoi il était dur. C'est assez fourbe des fois. Ouais, pas facile ce moment. Bon, il peut s'en retourner là, Michel. Jean-Michel. Ok. Ça sert à quoi hein. Ouais, d'accord. Si, l'interrupteur il est là-bas, l'autre. Bah, faut juste sauter. Enfin, juste. J'allais peut-être être encore bloqué. Ah, voilà. C'est en dessous de la cage, je crois. Ah non, plutôt là. Attendez. Non, c'est là-bas. Mais j'ai cru voir boule de carburant. Ah non, c'est ça. C'était les pattes de lézard. De dinosaure. Je vais plus très bien. Alors oui, on peut porter la bombe. Si on veut. Purée, mais non. Ah, elle explose pas. Enfin bon... On va la pousser un peu, c'est assez comique. Elle va exploser ? Non, c'est bon. Et qu'est-ce que je peux faire ? Ah bah si, là. Ah purée, j'ai vu. J'ai vu, c'était difficile à voir, mais quand même, je l'ai vu. Pour une fois que j'ai bien intuité. C'est quoi ça? Se lancer de fou. Alors on va pousser ça. Donc en fait là j'en ai presque aucune idée à combien de minutes on est. Hein, puisque je sais pas trop exactement quand je vais couper. Peut-être vers 58 minutes. Alors, peut-être le moment où je vais couper. Donc ouais on est à peu près à 1h10. Ouais. 1h20 plutôt. When I was captured, they became scared, and are now hiding around the fortress. Please, take this. Use it when you hear them. Its call will guide them back to me. If the Sharp Claw find them, I fear they will leave the fortress forever. Ah ok, et ce qu'on a vu, ce qu'on voyait là, les espèces de barres en bois, ça servait aux, bah aux corniches quoi, c'est les corniches pour les pyrodactyles, voilà. Ah, je pense, oui, là où, enfin là où ils se posent, enfin vous savez ce que je veux dire. Là ok, là c'est... Timer, timer, temple du timer. L'ennemi. Ok, donc là il est tout content. Ah, il faut lui faire le chant magnifique, le chant de la flûte. C'est si mélodieux. Ah, il y a chaque fois qu'il y en a un qui se fait attaquer, bah, enfin là c'est facile encore. Il nous montre quand même où c'est. Bon. Et puis encore la barre d'énergie, ça. Elle descend pas trop. Et je me souviens que c'était pas si facile que ça à l'époque, je sais pas. Bon.
longtemps que j'étais petit. Hein. J'avais peut-être une mémoire de poisson rouge. Quoique ça a pas trop changé. On le tapote gentiment. On fait plus la Gatling, hein, plus besoin. J'ai tellement gagné en skill. Voilà, toujours la petite mélodie et... Ah, et celui-là il est assez loin, enfin quoi que ça va. Voilà, c'est celui-là. Je me suis dit, ça sert à rien ce passage, mais en fait si, hein, voilà. Je me disais, mais les pyrodactyles, ça me dit quelque chose, bah oui, bien sûr. Ça me disait quelque chose, je l'avais même dit à voix haute en plus. J'avais dit, ouais, faut sauver les pyrodactyles. Quand on aura la flûte, là, on pourra les appeler. J'aurais où ils sont en train de manger le pyrodactyle. Je sais pas, ça fait un bruit bizarre. Mais c'est peut-être parce que je suis à 7%. Bon. 7% de jeu. D'accord, ils ont sauté à la Mario style. C'était pour dire la bienvenue. Bienvenue à l'univers Miyamoto. C'est ça en fait. Allez les mecs de chez Rare, allez, faudrait que vous mettez par contre des petits sauts hein, à vos dinosaures. Hein. Faudrait qu'ils fassent des petits sauts, des petits bons, pour faire un petit clin d'œil à Mario hein, bien sûr. N'oubliez pas la casquette rouge aussi, n'oubliez pas la casquette rouge. Mais ils ont oublié. Oula, il est assez loin lui. Enfin bon, quand on connaît assez bien l'endroit, en se perdant plein de fois, en cherchant énormément, c'est sûr que maintenant c'est plus trop un souci. Hein. Donc là je vais faire exprès de, voilà, de perdre de la vie, parce que j'ai pas envie de faire la roulade et de tomber. Ça serait une grosse erreur de ma part. Enfin, ça serait complètement un fail, parce que j'aurais pas eu assez le temps de sauver ce petit oisillon, petit pyrodactyle. Ouais, je connais par cœur. Hein. Je connais aussi bien que le circuit d'un time trial de Mario Kart 8, quoi. Ou un circuit de Mario Kart Double Dash. Le circuit de Mario Kart Wii, je les connais très bien aussi. Mais je les faisais avec le Wii Wheel. C'est de la bombe. Non mais je trouvais ça fun. Je jouais en automatique. Hein. Wii Wheel avec manuel. Purée, c'est horrible. Mon dieu. Et on va se faire ses ennemis. Vous avez remarqué que plus on sauve de pyrodactyles, plus il y a des ennemis hein, qui attaquent le pyrodactyle. Là, il y en a 4. Avant, il y en avait 3 ou 2, je sais plus. Oh, ce fail. J'ai tapoté sur la caisse. Mais c'est vrai, ils sont vraiment pas costauds ces ennemis. C'est bizarre qu'ils nous mettent des ennemis de base dans ce donjon. Par contre, c'est que j'ai trouvé bizarre. Bon, faut pas trop se rapprocher de lui, sinon il est pas content. Voilà, un peu de flûte à bec, ça fait plaisir. Et je crois que c'est bon. Donc on va revenir là où on était. Vous allez voir. Ils vont se poser sur les corniches. Donc voilà, on les a tous sauvés. Je me souvenais que c'était plus dur que ça quand même. Enfin, en même temps, là, j'ai pas perdu de temps et... Thank you, Fox. As promised, here is your reward. Scales has hidden the spellstone inside the treasure rooms. Find it, Fox, and return it to the Force Point Temple. Our planet is in your hands. Voilà, donc je vais finir ma phrase.
Tu parlais de quoi déjà? Oh non. Oui, je disais que... Que? Je sais même plus de quoi je parlais, c'est quand même assez énorme. Info. Faut vraiment que je me réveille. Donc, voilà à quoi servait cette fameuse porte ensoleillée. En effet, que, enfin, avec le petit soleil, voilà, comme symbole. Oh purée. Ah oui, je me souviens de cette phase. Oh oui, c'est une phase vraiment pas mal, une phase assez culte. Vous allez voir. Bon, cette partie va durer assez longtemps quand même, cette partie 4. C'est un petit bonus. La partie 3 a duré un peu plus longtemps aussi. C'est bien. Là, nous sommes dans Alibaba, voilà. Alibaba et les 40 voleurs. C'est bien, on va récupérer des lucioles. Voilà, c'est ça les trésors. Les trésors d'Alibaba. Non. Surtout pas, je veux pas remonter. Je sais que c'est un petit piège. Je me souviens, la musique était assez inquiétante. Ouais, c'est mystérieuse. Et d'après ce que j'entends, c'est un peu ça. Ouais, étrange. Musique étrange. Petite one-up, on dirait des Pikachu quand même, sérieux, hein, ces lapins. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pour vous, mais... Ah, ok. Ok, ok. Ok. Je sais ce qu'il faut faire. Mon dieu. Faut avoir la bombe, mais il faut redescendre. Oh purée. Vous avez vu quand même de ce qu'il faut faire maintenant avec les bombes. C'est plus comme au début, hein. Je vous l'avais dit, hein. Ça devient plus dur. Plus on avance, plus ça devient dur. Mais est-ce qu'il y a un réel raccourci? Purée. Oh purée, mais ça l'a envoyé de l'autre côté, mais c'est pas possible. Ouais, là j'aurais pas le temps. Hein. Je sais pas. Je crois que c'est bon. Oh purée, non, ça le renvoie là. Non, non, j'aurais pas le temps. On va tirer dessus, parce que franchement, j'aurais pas le temps. Enfin, je sais pas, il a l'air de durer assez longtemps, mais bon. Vaut mieux... Et vaut mieux garder précieusement quelques petites secondes. Voilà. On va perdre du temps à faire n'importe quoi. Donc voilà, là je crois que c'est bon. On va faire un sprint. Sprint, sprint, sprint. On va descendre tranquillement. Voilà. J'adore le bruit du... quand on arrête d'être déguisé. Quand on devient en forme initiale, eh bien ça fait exactement le même bruit que quand les dinosaures ils pop, les ennemis. Ça c'est marrant, oui. Voilà, faut descendre. Ça franchement, ça faut trouver aussi. Quand même, c'est peut-être un petit souvenir lointain. Et voilà, explosion de particules, c'est tellement beau. Ok, il est suicidaire. Ah. Ah, on n'est pas tranquille avec cette musique, sérieux. Il est presque stressant, là. Scales. Get the spellstone out of here! Oui, c'était un simple hologramme. Donc voilà, ouais, la particularité de ce niveau,
C'est encore une course-poursuite comme au début. Vous savez, quand on était au tout début, quand le géant de pierre nous a téléportés dans un niveau de neige, un niveau enneigé, quand on allait pour la première fois rencontrer Shriek et le sauver d'un triste sort. Capturé quoi, tout simplement. Et là, la particularité, c'est que on a une jauge de une jauge de fuel, peut-être. Je sais pas quoi ça marche, ces trucs là. Et je vois plus rien. Et puisque quand les ennemis meurent, et ben ils explosent complètement là, et ça fait comme quand ils pop quoi. Donc quand on a ça en pleine gueule, ça fait pas du bien aux yeux. Bon, ça a l'air d'aller, hein. Faut juste être devant eux. Mais en même temps, il faut aussi faire gaffe à notre jauge de vie. Purée, j'avance plus. Par contre, quand on les touche, on avance plus quand même. Je perds du temps. Bon, c'est pas une phase aussi simple que ça. Faire gaffe. Mais je crois qu'il faut les tuer, parce que je crois que sinon, ça. C'est à l'infini. Je pense qu'il faut lui tuer. Et vous voyez, là encore, c'est hyper original, quoi. Tu t'attends normalement à la fin du donjon, tu t'attends à un boss, et là tu te retrouves avec une course-poursuite. C'est énorme. Bon, ils ont pas eu le temps de faire un boss raté à la Zelda. C'est ça. Bon, et c'est vrai que je dis quand même pas très bien de. Enfin, je dis pas trop de bonnes choses sur Zelda, mais bon. Pourtant, moi je suis un fan des Zelda 3D. Mais voilà, c'est vraiment les boss qui m'ont déçu dans les Zelda, ouais. C'est surtout ça. Mais certes, c'est quand même des jeux quand même complètement différents, même si ce Star Fox reprend les Zelda, c'est quand même assez différent. Done, Fox. You now have the second spellstone. And with scales gone, my tribe can now start to rebuild their lives. I am forever grateful. Don't forget! As soon as you get back to the surface, you'll need to find the Ocean Force Point Temple. Ah, c'est beau. C'est des militaires, hein, les pyrotactiles. Hein. Vous n'avez pas remarqué. Ils ont fait le symbole des nazis. C'est très... c'est génial. Voilà. C'est magnifique, ils ont fait le signe d'Hitler. Dinosaur Planet, donc nous allons revenir au Dinosaur Planet. Tu es encore ici, Fox, les Cloud Runners ont repris le contrôle de la forteresse. Tu dois apporter cette pierre magique au temple du point tellurique de l'océan. Il doit se trouver quelque part près de la mer. Tu connais un endroit pareil, Fox? Lorsque tu reviendras sur la planète, tu devras contacter Pepe pour recevoir plus de détails. Terminé. Donc voilà. On va se quitter après cette magnifique phase. Tellement magnifique que je vous la remonte quand même. C'est une phase épique. Repris de Star Wing, de Star Fox 64. C'est pas rien quoi. Avec des explosions. Waouh. Non, les explosions c'est assez... Bon. Mais j'ai déjà dit dans la première partie je crois. Si ma mémoire est bonne. Donc voilà, j'espère que cette partie vous a plu. Hein. J'étais un peu bloqué par-ci par-là. De toute façon, je vais supprimer les 30 minutes de blocage. Hein. Heureusement, je vais pas vous faire ce supplice que j'ai eu moi. Mon dieu. Bon, je me dis, du moment. Si je suis bloqué plus de 10 minutes, j'arrête là, je coupe. Ouais.
Et je reprends après. Parce que c'est pas possible. Je peux pas vous faire endurer ça, quoi. Je me dis, je me mets à votre place à regarder la vidéo. Encore quand tu joues et que t'es bloqué. Je sais pas, le temps passe assez vite. Et par contre, je sais que quand tu regardes un youtubeur qui est bloqué pendant un moment, voilà quoi. C'est un peu longué. Voilà. Encore dans une vidéo découverte, je trouverais ça un peu logique ou d'être bloqué, on va dire. Comme dans Sonic Boom, des fois j'étais un peu bloqué. Mais sinon, dans un let's play, normalement, je suis censé quand même je suis quand même censé connaître le jeu, quoi. Mais on dirait bien que non, pas totalement. Donc voilà, c'était la petite conclusion. J'espère que dans la prochaine partie, il m'arrivera pas des merdes comme ça. Mon dieu, où est l'interrupteur à gauche? Je crois en avoir vu un à gauche, mais je suis pas sûr. Oh, je m'en souviens plus, en fait. Moi, j'ai la flemme, je pense pas qu'il faut retourner en arrière. Voilà, toutes ces conneries. Donc voilà, sur ce, j'ai plus grand chose à dire. C'était une très grande partie que nous avons là, je crois, oui. Je pense qu'elle a duré à peu près 1h30, 1h40 presque. Attends, presque 1h40, donc sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures, et on se retrouve pour The Five Party.